Hello à tous! Coucou Panda! Merci Panda! Merci! J'espère que vous allez bien. Du coup, on est parti pour une seconde partie de live parce que oui, j'étais trop crevé ce matin, à 7h, j'en pouvais plus. Du coup, on va pouvoir y aller un peu plus longtemps cette fois. Je pense que là, je me suis assez reposé. Et on va continuer Avatar avec le pignouf derrière. Oh, hein? Voilà, de beaux arguments qui nous proposent comme un certain premier ministre d'un certain pays, bref. Ouais, regarde. Allez. Ah, bon, en plus. Merci pour ton resub, Winter. Ah. Un an. Waouh. 12 mois. T'as un an? Oui. Déjà? Oui. Oh, damn. Putain. Mazette. Putain, notre enfant a déjà... 3 mois. Putain, j'ai vu ta notif ce matin. Hein? Il a... Et t'es pas venu, petit saligaud? Non, il avait la tête dans le cul, donc. Après, pour. J'ai vu ta notif ce matin du GTA V. Ouais, j'en ai fait un peu, mais disons qu'en fait, mon OBS a crashé à un moment, j'ai pas compris pourquoi. Donc. Puis c'est un enfer d'essayer de dormir quand tu joues à GTA V. Bah, c'est un enfer de vouloir dormir quand quelqu'un est en live à côté, surtout déjà. C'est d'abruti. Après, pendant tu viens en vocal, on va faire du Pokémon Infinite Fusion. Ouais. Vas-y, viens pendant après. Je partagerai vos games. 5h, j'étais trop fatigué, je me suis endormi. Ah bah super, Nils. Bah, tu vois. Tous les légendaires que j'ai capturés, lol. Je pense que bah moi je continuerai ma partie. Enfin, je sais pas si je continuerai ma partie. Commence une autre. J'en ai plein d'autres. Après oui, je pourrais les recommencer. On verra. Bref, là pour le coup, c'est pas Pokémon Infinite Fusion qui nous intéresse, c'est Avatar. 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 Avatar, le petit bâtard. Et c'est quoi, c'est le... J'ai même plus le petit... Frontiers of Pandora. Ah. Oh, abruti toi-même, hein. Ah là, non, pour le coup, c'est vraiment toi l'abruti dans l'affaire. Bonjour. Tiens, moi je te tape, ma... Friskin. La dernière fois, il y a des trucs à récolter. C'est mon cher petit roux. La dernière fois, on avait du coup trouvé un membre du clan qu'on doit essayer de recruter pour notre histoire avec la RDA. On a pu explorer aussi la nouvelle zone pour le coup. Ouais, on a pu explorer un petit peu. On trouve plutôt pas trop mal. Il y avait pas les yeux. Là, c'est les grands monsieur bleus. Exactement. Voilà. Ça, ce sera les grands mecs. Et on les aime parce qu'ils sont différents de nous. Ils sont moins cons que certains d'entre nous, bref. Ah ouais, faut aller tout là-bas. Allez, Alice, glisse. Pays des merveilles. Bravo, Francky. Et du savon de Marseille. Bah ouais. Bah ouais. On aime les navires parce qu'ils sont pas aussi cons que les humains. Yep. Je dois réinstaller Minecraft et CurseForge et le mode. Comment ça? Ah bah oui, putain, c'est vrai que t'as réinitialisé ton PC toi. Ouais. Alors là. Il a changé. Ah non, réinitialiser, connard. Non, mais oui. Pourquoi tu parles de changer de PC si c'est de réinitialiser? Et cucu, hein. Du coup, c'est à cause de quoi, Panda, au fait? Tu m'as pas expliqué pourquoi t'as dû le reboot ton PC. T'avais un virus? C'est parce que Windows 11 pue la mouise? Je me balade. Surtout qu'il y a quand même un objectif à aller quoi. Bah j'y vais là, l'objectif. Descends. Des trucs chelous qui se passaient. Hein? Eh mais attends, Panda, t'as pensé à récupérer tes données sauvegardes et tout?
Parce que si tu l'as pas fait, je t'annonce un truc, ta partie Pokémon Finish Fusion, tu peux la recommencer à zéro. Comment ça j'ai fait des... Comment ça j'ai pas fait des éliminations sans bavure? Tu te fous de ma gueule? Oh le nul! Et j'ai visé le coup, on est d'accord? Ah putain! Mais c'est quoi ces machins? Putain, y'a des bestioles qui viennent recouvrir les... What the fuck? Ah d'accord. Bon bah... Un truc à savoir, les espèces de putain d'abeilles de merde recouvrent les cadavres. Ah non, pas une fine fusion. Tu l'as pas récupéré? Bah tu peux recommencer à zéro. Super. Oui, elle commence à zéro. Oh ouais, tiens, je sais. On va refaire tous les trois une... Une partie. Vas-y. Là, vous aurez pas besoin d'avoir mon partage, mais il faudra que j'ai le vôtre. Non, non, va te faire. Par contre, va bien te faire enculer les Nuzlocke chez moi, c'est hors de question. J'ai horreur de ça. Ah, y'a un établi ici. Quoi qu'il me faut là? Ah, de la résine. Genre comme truc chelou, quand j'étais AFK, t'avais une appli chelou qui s'était mise sur mon bureau. En plus, t'avais des trucs qui montrent bien que c'était en train d'être glissé. Ah, ah. Okay. Ah, en gros, c'était des fichiers qui glissaient directement sur ton PC? Non. Ah ouais, d'accord. Ah oui, effectivement, ouais, bien chelou. Voilà, pour le coup, ouais, c'est très chum un peu. Ah, faut que je t'attende. Ouais. T'attends, t'es trop. Achète l'objectif. C'est toi, je cuisine. Là. Un virus, je pense. Ah, un virus, je pense pas, mais il y a peut-être possibilité que tu te sois fait pirater ton PC. Parce que si tu voyais littéralement tes dossiers se déplacer, comme si on voulait les déplacer dans un autre truc, c'est pas improbable que tu te sois fait pirater. On va se faire attaquer, tu vois. Un Sarantou ? Ils portent la marque. Je pensais qu'ils étaient morts. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Le retour des Sarantou. Pourquoi sont-ils ici ? Ce clan a disparu depuis bien longtemps. Alors, qui ose souiller notre sol avec tous ces mensonges? Je cherche votre Tsahik. Ceux qui viennent du ciel nous ont attaqués. Beaucoup sont blessés. On m'a dit que les Kamitiré étaient des soigneurs. On a besoin d'aide. Il n'y a rien pour toi ici. Surtout pas notre Tsahik. Ne serait-ce pas là notre devoir? Notre clan doit aider ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, notre Tsahik tue, au lieu de soigner. Les voix des Sarentu ne sont plus parmi nous. Que des mensonges. Mais quel mensonge? La marque est bien là. Il suffit. Ouais, bah encore, tu l'avais. Tu viens salir la mémoire de nos amis Sarentu. De toute façon, elle vit recluse. Très loin d'ici, et hors de question de la déranger. Quitte ces lieux, imposteur. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Oh, il est légèrement aigri, le beau monsieur, là. Encore un abruti. Putain, tout même le parmi les navires, il y a des abrutis. Pas la méthode de Mokasa. Retrouvons-nous au cercle des ancêtres, là où Eiwa nous montre le chemin.
D'accord, donc. D'accord, madame. Ils ont un chef, sauf que personne n'est d'accord avec ses méthodes. Oui. Alors, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes. Pas pour ça. Allez, c'est par ici, mon salaud. Ouais. Les créatures d'Eiwa prospèrent à nouveau. Joins-toi à nous pour chasser. Chasseux, c'est d'accord. Alors, c'est chasseur ou chasseuse, mon grand. Enfin, je décide, par contre. Parce qu'avec un X, ça existe pas. Hein. Je vais dire tous les chemins mènent à Rome, mais c'est con comme expression, ça. C'est débile. C'est pas possible que tous les chemins mènent à Rome. Parce que mettons que tu partes de la pointe bretonne, tu fais full nord. Donc dans ce cas-là, t'arrives sur la partie sud de la planète. Si tu fais que du full nord, t'arriveras pas du tout à Rome. Même si tu dévies un tout petit peu ta trajectoire, il y a peu de chances que t'arrives à Rome, hein, honnêtement. L'expression, elle est conne de Dieu. Oh, faut faire les trucs avec les petits champignons. Gagnant, hein. Attends, mais je suis à l'objectif au moins. Dans le cercle des ancêtres. Mais pourquoi ça m'a montré cette merde? C'est pas du tout ça. Il y a des phases de jeu. Oh putain. Laisse-moi deviner, t'as failli tomber? Oui. C'est tout en bas si jamais. Ah ouais, d'accord, super. Étrange accoutrement pour un navi. Les gueules. T'es vu? Ah, on va se connecter à Iou. Ah, Ewa. Je n'ai jamais vu de Sarentu, et je pensais ne jamais en voir. Puis, tu es entré dans le foyer des Kametire, comme si de rien n'était. Je ne savais pas. J'assume que... Quoi? Qu'on nous pense responsable de la mort des Sarentu? Mais c'est la RDA qui nous a pris, non? Pourquoi vous cachez? On ne se cache pas. Les autres clans nous ont tourné le dos. Et maintenant, Mokasa est notre seul guide. Notre Tsahik, Atufi, s'est perdu dans les méandres de son esprit. Atufi? Où puis-je la trouver? Personne ne voit Atufi. Mokasa l'interdit.
Elle a arrêté. Mocassin, on dirait le nom d'un perso qui pourrait apparaître dans un animé. Mais j'aimerais simplement lui parler. Peut-être que voir Salento nous la ramènera. Ça ferait plus le nom d'une gonzesse pour le coup, parce que Mocassin. Mocassin. Dis-lui que ça n'est t'envoie. Tokasa, est Tokasa. Je vais me connecter avec avec Ewa. Je vais me connecter. Ah non, j'ai pas. Oh, cap de façonneur de bois. Ouais. Ouais, mais c'est de la qualité basse. Oh, c'est pas de la qualité basse. Si, c'est de la qualité basse. Noble. Oui, mais c'est de la qualité basse, c'est bien ce que je dis. Oui. 72 alors que celui que j'ai il fait 150. Le mien il fait 150 aussi donc. Oui, on a le même. Oui. Oui. Oui, par le plus grand des hasards, t'aurais pas de la résine. Promis, j'ai rien fait, j'en ai pas pris. D'accord. Allez, cas. Voilà, c'est pas moi. Allez, cas. Non, mais c'est pas de résine là quand même. Oui, c'est pas de cette résine là que je te parle. Ah! J'ai rougi là, non? Y a confusion là. Y a très confusion là. Et bonjour à ceux qui sont là. Installez-vous, mettez-vous bien, prenez quelque chose à boire et à manger. Mets un doigt. Tu veux savoir? Ouais. J'en ai pas. Nous retrouvons. Ok. Tu sers à rien. Quoi faire? Pour faire. LOL. Canard. Bah à la base c'était pour me faire un arc, mais c'est le petit arc de merde, donc au pire. Tu as besoin de quelque chose? Ça je te le prends avec un énorme plaisir. En fait t'as que de la qualité basse donc. Tamponne le coquillard comme dirait un grand homme. Oh par contre, voilà, ça m'intéresse. Les plans. Et à quoi comme plan? Tu regardes. Porte-toi bien. Tu sembles avoir parti. Résine de pain nuageux, bah ça tombe bien, je voulais la résine, j'en ai pas. Donc va te fermer. Ce qu'il faut pour t'aider. Mets un doigt. Où sont-elles passées? Mets un doigt. Mes marionnettes. Calme-toi. Non. Porte-toi comme bien. Tu ta tête, tu glores. Moi j'ai de la résine. Ta gueule. Moi j'ai de la résine. Je suis au-dessus de ta tête, du con. Ah ouais. Cette courbe ne me. Là, connard de au-dessus de toi. La retravailler. Là. Papa. Tu te fous de ma gueule. Je vais te balancer une grenade, tu vois. De vouloir apporter un peu de gaieté. Mais frère. Ça fait 4 fois que tu me regardes. À droite. Gauche. Voilà. Là. Pas où? Allez, je vais le frapper, je reviens. Aïe. Oh putain, mais t'es un peu petit joueur, connard. Ah bah, tu te fous de ma gueule. Putain, j'en ai craché. Tu mérites. Tu te fous de ma gueule, tu la mérites. Culé, ouais. Genre, Panda t'approuve. Bah t'as ouais. Qui me frappe. Ouais. Oh le gros chat. Gros chat. Retiens Panda, je retiens. Salento, tu comprendras. Comme pour moi, les histoires coulent dans tes veines. Je ne suis pas un grand conteur. Gentil Panda. Mais j'approuve avec validation. Je valide avec validation. Alors, je vais te conter l'histoire d'un ave. Je valide sans crainte. Qui voulait apporter de la lumière dans un monde obscur. J'avais construit une scène pour compter mes histoires avec des marionnettes. Le public était au rendez-vous. Il riait, pleurait. Putain, ils ont des dreads chez les nazis. Le silence, la honte.
Nous avons laissé le brouillard se refermer sur nous. Je n'avais pas le cœur à raconter autre chose que des tragédies. Mais nous en vivions déjà assez. Plus personne ne venait me voir. La scène est tombée en ruine. J'ai donné les marionnettes aux enfants, espérant qu'elles continueraient à les faire sourire. Mais elles ont toutes été jetées. On a besoin d'histoire. Qui la raconterait si tu n'étais pas là? C'est la question que je n'arrête pas de me poser. Eh, tu m'en as même pas filé en fait. Je peux remplacer la scène. Mais vraiment pas un gros schlag. Hein? T'es vraiment un schlag. Tu t'es fait une bouteille, tu m'en as même pas fait. Les enfants grandissaient et oubliaient leurs rêves. Enfant, je n'ai pas eu droit à beaucoup de jouets ou de rêves. Je serais ravi de t'aider à les retrouver. Non, non, tu m'appelles, tu m'as pas demandé, frère. Je les chercherai bien moi-même, mais je ne suis plus si jeune, comme tous les autres. De toute façon, pourquoi tu le demandes? C'est très bien que si tu t'en fais une, tu dois m'en faire une. On est quand même, on sait jamais. Tu me l'as pas demandé. Nous avons tous des regrets. Maintenant on va faire la quête principale. T'en faire une alors. Oh l'eau. Ah ouais. Je pense que t'aurais dû faire dès le début. Ah par contre, le jeu il est tellement beau putain. Bienvenue sur Avatar. Là surtout que c'est vraiment c'est là où les gens vraiment crachent dessus, c'est parce que c'est Ubisoft quoi. T'as une chance inouïe, c'est que je mette pas ma cam et que je la retourne à ce moment là. Parce que je te jure que là... Un jour je vais vraiment prendre en vidéo en train de le faire. Fais gaffe, hein. D'accord, Michael. D'accord, Michael. Bon, tu te dépêches. Ah oui, c'est vrai, on attend. Bah, le décapsuleur aussi, peut-être, quand même. Tu peux passer quand même. Merci pour ces cadeaux. Oh, du noble. Ouf, ma manette. D'abord. Cher. Ouais, c'est ça, cassez-vous les blaireaux. Oh, il y a des copains. Il y a des copains de la RDA. Ah ouais? Ouais. Ils sont où? Là où je suis. Ah, j'arrive. Attends, j'arrive. T'as une flèche dans le cul, ça te fera pas de mal, toi. Ah, en fait, non, c'est des vilaines. Aïe, attends, c'est des vilaines bébêtes. Oui, mais c'est des les manipuler. Ah. Ouais, ah, par contre, le méca, il était pas frais, hein. Oui. Putain, ce que je lui ai mis. Les cartouches électriques. Cartouche électrique. On a déjà eu ça. Munition étourdissante. Ah mais c'est pour les trucs que j'utilise pas ici. Ah. Ils sont mauvais ici. Après c'est peut-être parce que j'ai l'impression qu'en fait on a un équipement assez pété pour notre niveau de jeu. Ouais, ça va. Ah je sais pas, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Un rhino casqué. On en a déjà vu? Sérieux? Oui, on en a déjà vu en arrivant. Ah, t'as même pas aussi.
Hop, élimination Sambavur. Merci. Ouais, c'est super joli. Forme de rhino casqué, peau légère de rhino casqué. Il a une belle gueule, je trouve. Ouais. Là, il y a plein de trucs à récolte. Oh, attends, c'est quoi? C'est dans, sous quelles conditions? Meilleur temps sec. Évidemment, il pleut. C'est quoi ça? En vrai, c'est dommage qu'on puisse pas jouer à plusieurs. Hein? Salut Iris! Merci! C'est gentil, comment tu vas, petit Iris? Comment ça s'est passé le vendredi que tu nous as abandonné? T'as osé nous trahir, nous abandonner. Ouais, elle avait rejoint un autre monde pour ne plus avoir affaire aux zombies. Elle a eu peur des zombies. Elle en a eu marre des zombies surtout. En vrai, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que on peut trouver des hélicos ou des avions comme ça random sur la map dans le jeu, enfin sur Minecraft. La question qui pue. Ah bah il y a encore des copains. Winter. Ouais, y a des copains. T'as dit copains? Copains. Il y en a 5 avec un hélico. Moi je veux péter l'hélico, tu me laisses hélico. J'aime bien quoi, ça fait péter un peu. Comme tu peux pas péter sur ma gueule. Ah, bah attends que tu vas pas. Et un de moi, et un méca de moi avec. J'ai bien attendu qu'il y ait un méca qui se rapproche de l'hélico. Je change de position. Fais tout péter. Il faut que je les jette quoi. Non, jette une. Tiens, cadeau, joyeux Noël. Je pensais qu'il allait jouer ça. Bâtard. Je me suis retenu, je t'avoue. Ouais, mais je me doute. Ton nombre de fois que tu me l'as fait, sale bâtard. Ouais, d'accord. Hein. Donc je te rappelle les débuts qu'on a joué. Ça va ta vie par contre? Hein? Ça va ta vie par contre? Ouais. Ah je sais pas, pendant 2 secondes j'ai cru qu'il te restait, que tu aurais un tiers de ta vie. Non. Bug d'affichage peut-être. Ouais peut-être. Ouais. Oh de la mousse. Oh, c'est de la grosse qualité en plus celui-là. Oh c'est de la grosse qualité. Il pleut ou pas? Oui. C'est de la mousse? Oui. La mousse. La mousse sublime. Mais la mousse bleue. Mais c'est quoi c'est bleu? Mais tu me l'as piqué. T'avais qu'à le faire avant que j'arrive. Mais j'allais le faire, mais t'étais pointé dessus, du coup je peux pas. T'en as un là, t'en as un là, ça va. Oh là, là, là où je suis. T'es où? Derrière toi. Au-dessus, voilà. Là, regarde, là. Là. Putain. Et comme t'es pointé dessus, je peux pas interagir avec. Et t'en as un là aussi. Là où je suis. Merde, en plus, double bâtard. Tu sais celui que je t'ai piqué? Mais oui, c'était un légendaire, je sais. Puis en plus, ça c'est inconvenant. Mais putain, mais vas-y. T'as pas d'autres nerds à me donner là? Bon, écoute, ça peut s'arranger hein! Faut qu'on remonte.
On peut pas passer en nageant. Enfin, on peut nager, hein, mais pour monter après, mon cul, quoi. Si, j'y arrive. Vas-y, amuse-toi, hein. Moi, perso, je prends le chemin qui mène à la vie. Tombé la chaîne de tomber. Je suis même pas objectif. Bah, t'y es pas. Bah, je suis là, mais c'est bon. Excuse-moi, j'explorais, il y avait un tronc. Dans une grotte. Et tu vas grimper, oui! Merci pour ces cadeaux. C'est ici, la maison d'Atoufi. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, le plus grand des hasards, mais j'ai trouvé. Attends. Ah, t'es pas vraiment là où il faut, surtout. Là, j'arrive. Waouh! C'est super joli. Et coloré. Ouais. Non, il doit y avoir une autre entrée. Ah, j'essaie de trouver l'autre entrée. L'entrée principale est, comme tu dirais, fermée. On veut pas de visiteurs, on veut pas de votre avis. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as déjà trouvé? D'accord. C'est juste là-haut, en fait. Ah. Et je me balançais. Et nous nous balançons. Oh, madame. Tu es perdu, étranger. Je cherche Atoufi. Je suis désolé que tu sois venu de si loin pour rien. Sanei m'a dit qu'elle vivait ici. J'ai besoin d'une chamane et Atoufi est la meilleure. Notre Tsaïk ne voit plus personne. Mokassa l'interdit. Je reste avec elle pour m'assurer qu'elle va bien. J'aimerais simplement lui parler. Mon peuple a besoin de son aide. J'ai vu ta marque. Peut-être fera-t-elle une exception. Ah, j'espère bien, oui. Que tu peux l'aider aussi. Ah, oui. Je ferai mon mieux. Comment je peux faire pour entrer? Elle a érigé cette barrière avec ses champignons. Je ne sais pas comment. Elle dispose de sa propre entrée secrète. De quoi? Je ne peux pas t'aider. Bon. Parce qu'à mon avis, ça doit être la même histoire des champignons. T'as parlé de champignons pour ouvrir la porte. Cette barrière de plantes. Comme celle de la volière. À mon avis, je vais pas pouvoir interagir avec. Ah, petit panda, t'es toujours là ou t'es mouru, dodo? Ah. Oui.
C'est là. Yeah, elle est pas là. C'est juste qu'elle regarde pas Avatar vu qu'il aime pas ça. Ou alors, juste, ou alors juste il parle pas. Ah, tes souhaits. Ouais, il me semble. De quoi? D6, c'est la 550, oui, c'est ça. Alors, du coup, on va régler ce problème de champ. Ah, je crois que j'ai trouvé, mais... Je crois que j'ai trouvé. Ouais. Faut toucher ces petits les petits trucs roses qui sont là. Ah ok, faut que je suive le la ligne j'imagine pour trouver la principale. Ouais. Ah ça y est, je dois trouver les autres. Ouais c'est ça. Ah. Et de deux, tu m'aurais qu'il y en aurait une troisième. Oh, il y en a une troisième obligatoire. Moment FAQ, tu vas faire Paper Mario la porte millénaire. Bah déjà par principe j'avais annoncé que je ferais probablement tous les Mario ou du moins une grosse partie. Donc quand je dis tous les Mario c'est tout ce qui touche à Wario, Luigi, etc. Donc il y a possibilité que je les fasse, oui, les Paper Mario. Moi ça qui un Paper Mario. Est-ce que je viens de répondre? Ouais. Et là normalement on est bon. C'est sûr qu'il va les faire. Comme les Lego d'ailleurs. Les quoi? Les Lego. Oui. Pas tous, mais oui. J'ai l'impression qu'il en manque. Apparemment il en manque un. Hein. Il doit être en hauteur. Je crois que j'ai trouvé. Alors, c'est bon garçon, on peut rentrer. Il est ouvert. Il est ouvert. Derrière toi, derrière. Tu devrais pas. Winter paumé tout le temps. Tout le temps. Ah si tu savais. Putain il me manque un cône de tronche à bout. Je suis dégoûté. Ah, sa maman. Ah, bien. Récupère. Rien de subi. Faut être coché. Caché. En plus. Je sais pas lire en attente de l'allié. Ah!
Et faire le fait. C'est débile parce que l'objectif il est en bas. Bah, ils me disent en attente. Bah, c'est ça que je comprends pas non plus, je t'en rassure. Hein. Parce qu'ils devaient considérer que t'étais devant alors que pas du tout. Bonjour madame. Putain, bonjour madame. Ah, Toufi. Avance dans la lumière où je pourrais te voir. Ah, on dit que tu es la meilleure chamane des Kamétirés. Mensonge. Oui. Il fut un temps où soigner me faisait me sentir bien. Et aussi puissante. J'avais le pouvoir du mal. Ses mains en sont la preuve. Ah putain, c'est parce qu'il me semblait, il lui manque une main. J'ai fini par créer ceci. Je m'y attendais un peu. Voilà. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Je l'ai fait pour soigner, mais ça n'a causé que du mal. Et maintenant, ton peuple gît dans le brouillard. Qu'est-ce que tu as fait? Mon enfant. Je t'ai tué. Comme les autres. Non. Ceux qui viennent du ciel nous ont tués. Non, c'était moi. Il y a déjà tellement de morts. Non. Je te l'ai dit, c'est bien trop dangereux. Je ne veux pas prendre le risque de... soigner d'autres innocents. Mais nos blessés vont mourir si tu ne les aides pas. Alors ils vont mourir. Je trouve ça vraiment dommage qu'on parle pas la langue Navi. Avec la traduction en dessous. Au départ, quand t'as dit bon enfant et je t'ai tué, je me suis dit merde, maman. Ouais, j'avais pas capté non plus. Mais avec une chamane. Bah non, c'est une sirène tout à la base, donc. Winter. Oui. J'ai besoin de toi. Ah. Oui, je peux pas quitter la pièce. Ah. Je peux pas quitter la zone, j'étais pas là. Ah. Grouille-toi, putain. Ah. Faut que je leur frappe. Hein? Tu vas te manger une mandale, mon cochon. Hein? Nol? Tu les as trouvés? Je viens de voir la Tsarik à Toufi. Ce n'était pas simple. Je t'avais dit qu'ils s'étaient reclus. Il n'y a pas que ça. Quelque chose ne va pas. Elle a l'air perdue. Elle pense avoir tué les Salentu. Est-ce que c'est possible? Ça n'a aucun sens. Qu'elle ne peut pas nous aider, que nous sommes perdus dans la brume. C'est étrange. Peut-être qu'elle veut cacher quelque chose. Personne ne veut m'aider. Ils ont l'air d'avoir peur. Alma dit qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mais les Kamétirés ont toujours été bienveillants. C'est étrange. Il doit y avoir un autre chaman Kamétiré. N'importe qui. Une des gardes à Toufi. Elle m'a déjà aidé. Je vais voir ce qu'elle sait. Je suis censé voir l'objectif là. À moins qu'elle soit en dessous de nous. Ah bah oui, elle est juste là. Pourquoi Atoufi refuse de m'aider? Je pensais que c'était une soigneuse. Atoufi est troublé. Il lui faut du temps. Mais je n'ai pas le temps. Ceux qui viennent du ciel nous ont attaqués. Beaucoup sont morts, d'autres sont malades. S'il vous plaît, je ne sais pas où aller. Personne ne doit savoir que je t'ai aidé. Mais il y a un autre chaman. Il s'appelle Sioul. Où puis-je le trouver? L'herboristerie est interdite. Mais Sioul persiste. Pourquoi c'est interdit? On m'a dit que vous étiez de grands herboristes. Si tu trouves Sioul, il t'expliquera.
Je ne peux pas vous aider si personne ne me dit ce qui se passe. Parle à Sioul. Les herboristes se sont établis dans les gorges. Il sera peut-être là-bas, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, va-t'en. Je comprends. Merci. Oh, c'est gentil les navires, putain. Ah, ça va pas changer ça. Pas de l'œil. Et alors déjà, tu vas mieux parler de mon accoutrement, d'accord? Je m'habille comme je veux, connasse. Pardon. Je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Faut retourner dans les gorges, là. Oh, ma chérie. Nol, il y a un autre chaman, Sioul. Est-ce qu'il va nous aider? Je l'espère. Personne. Il n'y a pas de mal à éprouver de la fierté. Il n'est toujours pas rentré. Alors, oh, de quoi as-tu besoin? Je vais prendre ton arc, enfin le plan de l'arc. Libé de Nénuphar de la forêt embrumée. Je vais prendre ça. Après, en termes d'équipement, t'as pas grand chose d'intéressant, ma grande. Tu me déçois. Bats-toi avec courage. Putain, je me suis retourné, j'ai vu ta grosse gueule. Ce vieux grincheux. Je me suis retourné, j'ai vu ta grosse gueule. Égoïste. Il pense qu'il peut disparaître sans rien dire à personne. Il n'a rien voulu dire. Mais même moi, j'ai remarqué qu'il était contrarié. Ça fait plusieurs jours que personne ne l'a vu. Mais... Et toi? Ça, c'est le clan des Dreads. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Y a-t-il un endroit où il aime aller? J'ai vérifié tous les endroits habituels. Famouk devrait le savoir. Je les ai entendus parler d'une prairie. Famouk est sans doute en train de cueillir des plantes. Bah non, ça y est, elle a bougé à cause de toi. Reste bah ici au cas où c'est un chat, c'est pas un coussin. Je vais parler à Famok. Ah, c'est rare que ce soit. Prends ça avec toi. Ceux qui viennent du ciel rôdent par ici. Bon, bébé car. Qui nous a pété les couilles toute la sainte soirée. Des nouvelles d'Oumol? Non, pas encore. Tu as dit que sa sœur serait au bivouac des chasseurs, c'est ça? Oui. Espérons que Famok pourra nous dire où est passé Oumol. Reviens, mon chat. Je vais te goumer. Hey, alors, de quoi as-tu besoin? Ouh, alors, je prends ton plan. J'ai l'impression que l'arc canophile, il est pas exceptionnel. Hein. Bats-toi avec courage. Ah. Ainsi, nous nous retrouvons. DG. Il y a quelque chose qui est bon près. Comment on peut dire les deux, mais... Oui. Une promenade en forêt me fera du bien. Parfait. Là-haut. Ne sous-estime pas le pouvoir du silence. Bah, on a l'arc court impitoyable de soleil, quoi. Donc, celui-là, il vaut rien, quoi. Oui, sûr. Par contre, il me faut une résine. C'est pour ça qu'il me fallait de la résine. Bon, après, l'arc court, je l'utilise pas, donc... Je suis à l'arc long, l'arc lourd, donc... Là, je suis juste à l'arc long. Lourd. Ah si, je vais peut-être me refaire un arc long furtif. Mais il me faudrait une branche. Une branche? Ouais, en sublime, si top. Oh là. Elle fait quoi, ça? Ah oui, c'est pour aller changer le physique. Un arc long, tu me dis, c'est lequel que tu veux? Furtif? Ouais. Bah, tu veux, ça va un truc? On est con. J'aurais bien voulu avoir les cheveux bleus. Il y a du vert, mais il n'y a pas bleu, je suis dégoûté. Ah ouais. Bon, attends. C'est vrai qu'on a les peintures aussi. Pas fan d'avoir un truc sur la tronche, pour être tout à fait honnête. Après, ça dépend. Alors celui-là, je préfère.
sens déjà un peu mieux comme ça. Coucou Ali. Non, non, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, il me semble que c'est ton anniversaire aussi aujourd'hui, donc bon anniversaire à toi. De mémoire, c'est aujourd'hui aussi. Hop, voilà, je me suis un peu changé physiquement. Je vais peut-être me réchauffer un moment prévu. Mon ami aussi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hey oh! Sioul? Sioul? Nor, je suis à l'atelier de Sioul. Ça a l'air abandonné depuis un moment. Pourquoi il y a autant de Kamethyre qui disparaissent? Pour moi, le chef, il n'est pas... Je vais jeter un œil. C'est peut-être lié à... Je crois que Sioul tente de créer quelque chose avec cet épineuil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'ai vu la peinture, mais c'est tout ce que j'ai. Donc il y a un autre truc que je n'ai pas encore. Ah putain, je viens de le voir. Une peinture de canyon, des empreintes de main. Sioul voulait peut-être que quelqu'un le suive. Ah, mais pour moi, vraiment, le chef du clan, il est pas. Il y a un truc qui va pas avec lui. Il y a un truc qui va pas avec lui. Mais la garde d'Atoufi a dit que l'herboristerie est un petit une craignette. Que Sioul ne pouvait plus se cacher ici. Ah ouais, tu t'es fait tout. Attends. Peut-être qu'il y a l'étrange épineuil aussi. Ah, tu t'es fait la c'est proche du Yavé. Je vais tenter de le trouver. Ah ouais, je l'ai pas fait exprès, moi. Mais t'es pas net, Baki. Mais t'es pas net, Baki. Mais je suis craigné. Oh, putain. En faisant un bruit comme ça, non, t'es pas net du tout, frérot. On va pas se mentir. Je n'arrive pas à me réchauffer aujourd'hui. Ah, il y a un camion. Ça c'est une Peugeot. Et ça c'est une Peugeot. Je te passe ça seulement en tout cas. C'est bon là d'anniversaire. Merci. Bon anniversaire à toi aussi encore. Ah bah tiens attends. Je vais faire un truc aussi tant que j'y pense. Type. Flore récoltable. Il me faut des branches. Merci pour les 10 bits. Des hobbies et tes petits cadeaux. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui serait le mieux? Peut-être celui-là. La forêt embrumée. Bah, on est dans la forêt embrumée, je suis pas flou. Meilleure qualité en pluie. Il pleut pas. Si jamais. Ah, il y a des bestioles. Putain, c'est un sublime. Ah oui, putain, je les avais pas eu. Je sais pas si c'est utile, mais je vais. Je récolte le truc avant qu'il y ait les bestioles qui viennent se poser dessus au cas où. Ouais, c'était un sublime. Lui, je vais vous faire changer. Une coccinelle dans le... Ah si, je l'ai eu, je pensais ça. Si, tu l'as eu. Vas-y, je te le laisse. Ah ouais, quand même.
J'espère bien que tu me le laisses. Ah mais comme il y a des bestioles qui se posent dessus par moment, je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent quoi. C'est pour ça que je préfère la récolter au plus vite. Yolou. Balader sur la zone. Balader, aller me balader. T'habites à l'heure, t'as long cul. Balader, trop vite. T'as te calmer, Maître Games. Quoi? Très bien. Je vais bien dans le plus grand bonheur du monde. Mm-hmm. Je vais bien, tout va bien, il est gay, tout lui plaît. Abuse pas mon ref. Tu veux que je te rappelle d'une certaine séquence sur un certain jeu? Ouais, ça y est tout de suite, t'arrêtes de ramener toujours à ça, sans déconner. On a dit stop, tu arrêtes maintenant. Ouais d'accord. Bah, tu vas me dire coucher aussi, t'as rejeté ton clébard ou quoi? Culé. Un jeune, on n'y touche pas. Le rhino. Je rêvais. Non, ça va aussi ça. Il serait infini. Alors, vous imaginez, vous coupez un saucisson, il serait jeune. Oh. J'en boufferai tous les jours. Attends, je vais ici. Putain, mais. Tu vas y arriver. Bientôt l'objectif, hein, si jamais. Nor, je crois que j'ai trouvé le canyon. Il ressemble beaucoup au dessin de Sioul, mais je ne le vois nulle part. Ah, attends, allez, je vais chercher cet épineuil. Attends, deux petites secondes, le temps que t'arrives. Ah. Je vais mettre le Discord déjà sur l'autre... Oui. Sur mon deuxième écran. Moi, je m'occupais de la bestiole... Ouais, j'avais bien compris. Il était jeune, mais je m'en fous. Bravo. Je lui ai pas lancé une grenade. Hein. Ah bah oui, c'est vrai que le premier épisode d'Avatar Frontiers of Pandora, je l'ai sorti aujourd'hui. Oui. Mmh. J'ai une personne qui est arrivée sur Discord, c'est une anglophone, et je sais pas du tout où elle sort. C'est bon? Ah ouais, j'arrive. Ah oh, putain, t'es toujours pas là. Non. Oh, Starfire. Ça y est? C'est où ta grosse tête, les filles? Ah, ma grosse tête. Parfait. Comme ça, je peux lui mettre un cochi dessus. Oh, oh putain, un cochi. Wouah. Oh, je suis allé le chercher loin, ce terme. Oui, c'est... Oh la vache, putain, la dernière fois que j'ai utilisé ce terme, j'étais en primaire. Bah c'était il y a... Pouf. Il y a 10 ans. Non, beaucoup plus que ça. Il y a 19 ans. Il y a 10, ouais, 18-19 ans. Cauchy là. T'as raté là. Merci pour ces cadeaux. Ah mais putain, mais ça crache du poison ces merdes. Eh, c'est quoi ça? Eh merde, oui. Ça fait mal. Non, toi aussi. Et mon prix, ça. Et je l'ai foiré. Comment ça, médiocre?
Sérieusement. Je l'ai tiré dans le dans son point faible et j'ai eu un médiocre. Allez Narvalo. Faut continuer. Il faut se motiver. Putain. Par le pouvoir du doigt. Hein ? Comment ça, mon ref ? Quoi ? De quel pouvoir tu parles, là ? Hein ? Quel pouvoir quoi ? Tu parles du... On le voit, mon ref. Ah, putain, ils sont... Attends, ils sont morts par du poison ? Attends, doucement. Merci pour ces cadeaux. Toi tu crèves. J'ai réussi à lui mettre son dans son point faible sans savoir précisément où il était. Je sais qu'il est sous sa gorge. Ah putain, je suis plein, c'est ça. Ah putain, puis c'est de la poudre en plus. Le truc il m'a filé la viande, j'en ai rien à foutre de la viande. Des bons steaks avec. Tu peux faire un bon petit steak avec ça. Peut-être résoudre le poison là, non ? Ouais. On a intérêt à bien faire gaffe. Et il y en a partout en fait du poison. Comme un débile. Ouais, on a atteint les 100 messages. Hein ? On a atteint les 100 messages. Mais putain, mais il y en a partout du poison. Ah putain, on est en plein dedans. Oui, connard. Ok, c'est bon, je suis plus dedans. Putain, mais il est énervé le mec là pour aller dans du poison comme ça, comme un grand taré. Putain, c'était une bestiole ça. Je trouve que c'était une plante. Tu vas sortir du poisson, oui, mon perso. Ah, voilà, je le camp navi, le recoin mouchi. T'as, et si t'es juste au niveau du poison, t'es archi loin par rapport à moi. Juste derrière toi, mais c'est pas grave. T'es juste derrière ? Ouais. Ah, mais t'as encore foncé dans le poison comme un putain de triso, ça veut dire ? On dort parce que t'as les plantes bleues qui te permettent d'aller plus rapide. Brouillard toxique. Donc c'est pas des champignons bleus dans Daylight. Congratulations. Putain, elle est énervée la zone avec le brouillard toxique. Allez, au revoir. Et pourquoi tu descends ? Parce que t'es un putain de débile. T'es dans le tronc. Ouais. C'est quoi cette merde ? Et après dans le tronc. Ah putain, c'est un rhino. Et après dans le tronc, il t'entend ? Bah tu grimpes, connard. Lève les yeux, hein. Ah mais putain, mais attends, mais c'est un camp de la RDA, ça ? C'est calme. Pas de RDA par ici. Tu crois que Fillou est à l'intérieur ? Une seule façon de le savoir. Facile, parce que...
Bon, Forest. Pourquoi Siyul toucherait des pièces métalliques? C'est un Kamethiri. Il est peut-être désespéré. Aucun vrai Na'vi ne manipulerait du métal. Ça n'a pas le moindre sens. Aïe. Tu me fais attaquer par un rhinocorne. Au revoir, le rhinocorne. Merci pour ces cadeaux. Alors, le seul truc que je lui ai mis, c'est des flèches. Bon, apparemment, faut aller là-dedans. Il y a plein de trucs d'eau. C'est ce que j'ai dit juste auparavant, mais merci mon ref de m'écouter. Allez, on entre. J'étais pas trop attendu pour ça. T'es entré par où? Par le chemin. Vol. Connard, utilise ton ton instinct de navi, tu le sauras. Connard, tu te fous de ma gueule. Tu peux suivre les odeurs, débile. Assister. On va essayer sur le toit là. Là, là où je suis. Là, tu m'aurais dit sur le toit, j'aurais compris. Oh, je baisse. T'as un truc à aller récupérer avant. T'es où là? Qu'est-ce que tu fais? T'as un truc à aller récupérer dans la pièce à côté. Putain, mais il fait des expériences ici ou quoi? C'est pareil. Je sais pas pourquoi, ça m'étonnerait même pas. Non, non. Ça ne va pas. Tout est rouillé. Il n'y a que du métal pourri. Ah. Au cours? Oh, pardon. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ce n'est pas moi. C'est pour de la recherche, pour enlever le Yahvé. Mon mentor Siul a trouvé tout ça. Je me suis dit que je pouvais continuer son travail maintenant qu'il est mort. Siul est mort? Je suis désolé. J'espérais qu'il pourrait m'aider. Atufi semblait terrifié de me voir. Quoi? Tu as parlé à Atufi? Siul a toujours pensé que ce n'était pas sa faute, ce qui était arrivé au... À mon peuple. Sarendo. S'il avait raison, peut-être qu'Atufi pourra enfin, je ne sais pas, arrêter de s'en vouloir. Enseigner de nouveau nos traditions à des gens comme moi. Siul venait tout le temps ici. Il était persuadé que le Yahvé cachait des secrets sur le sort des Sarentu. Trouve la vérité, disait-il. La vérité? À propos de ce qui est arrivé à mon clan? À propos de ce qu'Atufi a fait? Ou n'a pas fait? Siul essayait de nous protéger du Yahvé. Tout son travail est ici. Mais je ne peux pas entrer. Et il y a aussi du Yahvé. Tu crois que les objets de ceux qui viennent du ciel pourrait nous aider? J'en doute. Ouais, Winter qui fait qui chante. Attention,
Je crois pouvoir dissiper le Yavin d'ici. Ce générateur doit être connecté au système de ventilation. Mais j'ai besoin de composants électriques. Oh, tu sais, il y a ceux qui viennent du ciel dans le coin. Et tu penses que si on leur demande gentiment, ils vont nous donner ce qu'il faut? Ah, peut-être que tu peux faire ça discrètement. On doit récupérer les recherches de Sioul. Elles nous apprendront tous les secrets du Yavé, je crois. Non, je le sais. Thanator de la forêt de la mousse blanche. Putain, il est beau, Samir! Joli, il faut sortir. Panda, 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 panda. Panda qui vient sur un live. Sur toi aussi, t'as. Bon dieu, panda. Panda est devenu un homme. Wow. Un live sur Avatar. Oui, aussi. Oui, c'est moi. C'est moi. Je vois bien Panda, tu sais, ouais, faire le même. Tu sais où le mec entrepôt son équipement électrique. C'est moi. Je te dirigerais bien vers le bon rayon, mais tu risques de pas comprendre. N'importe quel générateur. On les trouve généralement près d'entrepôts souterrains dans les bâtiments de la RDA. Merci, Priya. Y'a pas de quoi. T'es touché? Ah bah oui. Une flèche dans le nez, hein. Merci pour ces cadeaux. Ah, bonjour, monsieur. Il est pas déjà. Ah non. En vrai, j'ai hâte qu'on puisse récupérer nos icras, non? Oui. Dans ce biome-là, c'est un peu chiant de se déplacer. Ah, attends. Ah bah oui, mais on peut déjà les utiliser, putain, je suis trop con. Hein? Bah oui. Ah bah oui, on a fait la fusion avec Iwa. Ouais, off. Ça nous fait découvrir la zone IF. Bon, là, il y a peut-être juste besoin de là. Une mine de gaz avec un réservoir instable. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde dans le complexe. J'ai l'impression que ça a l'air plutôt calme. Augmente fortement la pression en désactivant les conduites d'évacuation et le générateur. Ah, pas tant que ça. C'est vrai que pour un grand complexe, j'ai l'impression qu'il est presque vide. C'est pas que le seul qui sera mon ascenseur, cher. Ok, repéré. Je suis tombé sur un connard qui a... Que dalle, toi. Ah oui, là. Bon, déjà, on va s'occuper de tout éliminer. Avant de faire quoi que ce soit. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir à travers le brouillard de poison, mais je l'ai. Là, je l'ai vraiment très cher, quoi. Et... une tourelle en moins. Deux tours à l'endroit. N'oubliez pas que Pandora est un bon marché. Protégez vos camarades et prendront soin d'eux.
toi tu vas rien faire du tout. Ouf. Il y en a plein dedans qui ont un coup de main, j'ai un bon. Bon, je suis pas mal. De là-bas. Attends-moi, Narveux. Attends-moi. Attends-moi. Si si, j'ai visé sa... son point faible dans le dos. Pourquoi il a pas explosé alors? Parce que son... Je suppose que mon arc il fait pas assez de dégâts pour. Quoi? Qui dessus je l'ai raté? Quel dégât? Voilà. Un peu trop tard pour dire qu'il y a eu des embuscades. Là. Qu'est-ce que c'est qui me demande? C'est bon, j'ai trouvé. Gueule. En plus que la manivelle est coupée de l'alimentation. La fou ni la fou. Alors que. Pardon. Hein? Oh là! Oh là! Apparemment. Ah d'accord. Et de faire preuve de discrétion ouais. Parfois. Bah j'ai glitch. Comment ça? Je suis sous la map. Mais non. Première fois qu'il me le fait le jeu. Comment ça, l'inventaire est plein? Non! Ah, c'est pas mal ça de. J'ai le temps de récupérer le loot avant de tout. C'est pas mal ça. J'ai littéralement vu sous la map. Bon,
Mais tu t'es FTP directement. Ah ouais, encore eux. Munition. J'essaie d'avoir des trucs qui m'intéressent. Puis j'ai la pompe maître des bêtes, elle va te faire enculer. J'utilise pas les armes à feu, putain de merde. Moi je suis toujours niveau 16. Ouais, c'est pour le coup, ouais, c'est la première fois que le jeu il me fait glitch sous la meuf. Oui. Ok, je sors dehors, il y a une explosion, je me demande pas qui c'est. C'est pas moi. Pour le coup, c'est vraiment pas moi. J'espère que ça te plaira, Katir. Sérieux? J'ai pu rouler le passage MDR. Bon, j'ai retrouvé. Et que la porte principale elle est ouverte, hein. Ah bon? Wow. Te voilà! Tu l'as avec toi? Ça s'est bien passé? Oui, oui, bien sûr. Ça m'a l'air d'aller. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Oh oui. Un tournevis volant. Bah, il avait le tournevis dans les mains, sauf qu'il n'était pas dans les mains. Ça ne fonctionne pas. Ces machines sont étranges. Comment ça marche? C'est juste le carburant. Oh, si tu le dis. Un bouton rouge. Qu'il faut faire ensuite? Ça devrait alimenter la ventilation. Allez. La ventilation? Quel mot particulier? Qu'est-ce que c'est? Ça va faire sortir le Yavet. Attends. Je dois simplement relancer le système. Ça devrait suffire. Devrait? J'apprécie ton optimisme. Bon, et maintenant? Il devrait y avoir un panneau de contrôle quelque part, non? Je dois activer d'autres vannes, mais ça devrait le faire. Bien, mais j'ai avec cette commande. D'accord.
En nageant. Faut sortir et t'as un trou sur le toit. Non, non, en nageant. Ah, attends. Ouais. Non mais c'est bon, hein, j'y suis. Ah. Pas comme si je venais de te dire que c'était en nageant. Hein? Pas comme si je venais de te dire que c'était en nageant. Là par contre, c'est absolument pas où je dois aller. GG Justin pour ton lac. Aucune idée d'où on doit aller. Ah putain, fallait que je le chope d'ici le bordel. On peut pas rentrer, il y a le poison. Ah les bâtards. J'ai trouvé. Ouais. Ouais. Et t'as un trou au plafond. Ah, j'ai pas.
Merci mon bon monsieur. Je t'ai piqué. T'aurais pu attendre que j'arrive, on dit rentrer. Je crois qu'il faisait une sorte de thé avec ça. Oui, pourquoi pas. Avec de l'épineuil, ça pourrait vraiment marcher. C'est quoi ça? Tap Con 1? Je ne sais pas. C'est sûrement Sioul qui l'a trouvé. Mais ça, ce symbole... Je dois dire qu'il est plutôt joli. Il y en a d'autres dans le coin. Il y en a d'autres? La tape? Jusqu'ici? C'est pas normal. Je dois les retrouver. Tout est dans le Yavé. Mais attends une seconde. Et voilà, j'ai réussi. J'en ai assez pour une dose. C'est pour toi. Tu as le droit de savoir ce qui est arrivé à ton peuple. Faites que ça marche. Sioul ne se trompait jamais. Tu peux entrer dans le Yavé en toute sécurité maintenant. Ma tête a coupé. Ce symbole de la tape. Hey, on va planer. Tu te souviens où tu l'as vu? Oui, dans le. Je crois surtout que c'est pour pouvoir aller dans les. Des dans le brouillard mutilé par les ailes de métal. Bonne chance. Tu peux y arriver. Attends-moi. Allez. Mais putain, mais... oui, t'es obligé de faire la décompression. Comme qui dirait... Rocher. Non, Sioul est mort, mais j'ai rencontré un Kametire, Okur, qui a accepté de m'aider. Et j'ai trouvé un étrange logo de la RDA sur l'atelier de Sioul. Tap Con 1, tu sais ce que ça veut dire? Nor, tu m'entends? Ouais, je suis là. Con 1. C'est ce que je vois. Dans mes cauchemars.
aucun sens. C'est si loin de notre école. Je ne me souviens de rien. Pour moi, on va avoir un problème avec Nord. Dans une sorte de montagne. Ah, ouais. Je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes connectés à cet endroit. Oui. Nous devons le trouver. Okur m'a dit où Sioul trouvait son matériel de la RDA. Je vais y aller. Tu penses que c'est Abkon 1? On va bientôt le savoir. C'est loin l'objectif. Elle est jolie cette zone. Et dire qu'il y en a qui aiment pas le jeu. N'est-ce pas Panda? N'est-ce pas Panda? Oui, c'est bien de toi qu'on parle. De mais t'étais pas au courant encore. Mister Panda 6. À très vite. À partir de là, il va falloir continuer à yep. Et pourquoi? Parce que suffit qu'il y ait le brouillard toxique et les icrades ne peuvent pas aller dedans. Après, il n'y a pas l'air d'avoir un brouillard. Jusqu'au moment où ton icrane il va te lâcher en plein vol parce qu'il peut pas aller dans le brouillard. Il te lâche pas en plein vol mais il va te sortir. Ah oh, si seulement. Ça serait si drôle. Ça serait si drôle de voir Winter tomber dans le vide. Ouais d'accord. Juste pour avoir un clip, oui. Tout simplement. Très clairement. C'est bon. Okay. Merci pour ces cadeaux. Hey, attaque-toi à la poubelle, je m'attaque à ta gueule, toi. Non, il y avait une mouche. Ouais, j'ai envie de m'attaquer les machins. Hein. Oh. Tiens, il n'y en a pas de gaz là. Oh, regarde. Oui, bien sûr. C'est ici. Au cours, ne mentez pas. J'assume qu'il faut faire vraiment tout le bordel. Là-haut. Réussir à monter là-haut.
Il doit avoir les yeux. Ça joue les yeux, t'inquiète. Hein. Oh putain. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non. Non, c'est pas ça. La RDA est venue ici, il y a longtemps. Ration de la RDA fraîche, dans une zone toxique. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Je me demande si... Un avion de la RDA a été envoyé par Tapcon 1 et s'est écrasé. Voilà. Faut dire à Nord ce que j'ai trouvé. Hey, Nord ? Tu as trouvé Tapcon 1 ? Non. C'est un très vieux site de crash de la RDA. Mais le scorpion portait le logo Tapcon 1. C'est sûrement ici que Sioul a trouvé la caisse qu'il a rapportée à son atelier. Ça veut dire qu'il y a une installation ou quelque chose dans le coin. Il faut que tu la trouves. Oui. J'ai réussi à récupérer les coordonnées de la boîte noire. Je suis en route. Mais j'ai peur. Tu penses que c'est quoi? Les souvenirs de mon enfance s'effacent un peu plus chaque jour. Mais ce nom, Con 1, hante encore mes cauchemars. Une chose est sûre, quelque chose de grave s'est passé ici. La mort de notre sœur, d'ailleurs. Par contre, vraiment, si mon... Si ce que j'ai dit la dernière fois, c'était un putain de pré-shot... Ça va, t'arrives là-dessus? Ouais, on m'appelle juste, mais c'est un 0-4. Non, c'est pas toi, c'est moi. Nord, j'ai trouvé Tapcon 1. Ça a l'air abandonné. Trouve un moyen d'entrer. Notre passé est peut-être enterré là-bas. Notre passé est enterré là pour un avenir meilleur. Ok. Ma manette, elle a bientôt plus de batterie. C'est là où je suis, hein. Oui, pour le Winter. Là où je suis.
Il faut remettre le courant. Ah, c'est peut-être pas le bon chemin. Ah, c'est clairement pas le bon chemin que t'as pris. Hein. Lâche-le, ton téléphone, ça peut attendre 2 minutes. Redémarrage des serveurs. Système en ligne. Tentative de reconnexion au serveur de la RDA. On y voit plus clair. Il y a beaucoup de matos, mais je peux pas le récupérer. Parce que je suis plein. Je veux bien que je sois pas obligé de passer par le sas de décompression. J'avoue que la zone elle est plutôt longue. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Je vais aller jeter un œil. C'est peut-être lié à... Hey, j'ai trouvé des cages. Et des chaînes. Pour les animaux ou les gens? C'est horrible, Nor. On dirait qu'ils ont mis des Na'vi en cage. Il y a une porte plus loin. Une prison. Mais qui ont-ils amené là-bas? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux trouver. On va retrouver des Sarentou décomposés là-dedans, mon con. Merci. Je me demande si... T'as des indices? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
avait des enfants Na'vinor. Ils ont fait un dessin. Sur le mur. Alors c'est une autre école de la tape. Ça n'a pas l'air d'être une école. Il y a des lits de fortune. Tout est vieux et cassé, alors c'est difficile à dire. Mes souvenirs sont flous. Continue à chercher. Il nous faut plus de réponses. Je me demande si... traités comme des animaux. Nettoyés et désinfectés. Nor, je... Cet endroit était une prison. Pas une école. Ils nous ont emmenés ici enchaînés et ont pris toutes nos affaires. Comme des animaux. Ils nous ont privés de tout ce qui était nous. Je l'ai usé de Sarento. Ah oui, putain, oui. Mais je monte pas de niveau pour autant. Ah oh bah on va bientôt pouvoir s'arrêter. J'ai 4 points de compétence à mettre. Ouais. Oh bah tu sais quoi, je vais augmenter ma vitalité. Allez hop. Les douches. Pire que celle de l'école. Je peux encore sentir le désinfectant qu'ils utilisaient sur nous. Ils disaient toujours qu'on était sales. Je me souviens de ce gamin qui se lavait toujours les mains. Mercer voulait effacer notre identité, Na'vi. Dénaturé Pandora. Apparemment, tout a commencé ici. Il y avait des lits pour les enfants. Nor. On devait être terrifié. Je ne veux pas m'en souvenir. Mais il faudrait peut-être. Je vais voir ce qu'ils nous ont caché l'autre. On finit la quête et on va s'arrêter pour le jeu pour Avatar. Mmh. On finit la quête et on s'arrête pour Avatar. Ouais. Mmh. C'est inaudible. Je comprends pas. On va tomber sur des navis qui ont survécu, mon con. On va loucher très fort. On va voir ma sœur, enfin on va voir notre sœur crucifiée. On va avoir pendu. Et glauque. Et... Tu sens la nana aussi là qui nous éduque depuis qu'on est gamin, qui est pas très louche, qui est un peu louche. C'est un labo. On va apprendre qu'elle aussi c'est une collabo ou un truc comme ça. On évoque crainte et douleur. Oh ouais. Oui. Ça se trouve en fait depuis le début genre on était là. Enfin au tout début on était ici. Et au bout d'un moment genre quand on dormait genre il devait nous transférer une connerie du genre. Ou après ou au pire est-ce qu'il y avait plusieurs campements comme celui-là? Honnêtement j'assume que oui. Nor, tu es là? Alors. Ah putain. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé?
C'est Ahari. Il... Ahari? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé une photo. Et son dossier rempli de notes. Ils avaient écrit « Perturbatrice ». Ils connaissaient sa force. Ça leur a fait peur. C'est pour ça que Mercer l'a anéanti. Est-ce qu'Alma a été impliquée depuis le début? Je croyais qu'elle n'était qu'une professeure. Qu'elle prenait soin de nous. C'est ce qu'on pensait. Mais on n'était que des enfants, après tout. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Tu penses? Comme quoi? Cet endroit a quelque chose d'étrange. Pourquoi l'ont-ils abandonné? Que s'est-il passé? Tu as raison. Il faut que j'en sache plus. Donc on est d'accord que Ah, c'est notre sœur. Oui. Et du coup, effectivement, Alma, donc celle qui, qui nous protégeait entre grosses guillemets, en fait... Peut clairement nous trahir à tout moment pour moi. C'était quoi? Y a une bestiole dedans. Ouais. Oh que oui. Oh non. Il y a un gros Thanator enragé. Oh non. J'espère. De toute façon, c'est trop tard pour faire marche arrière. Ça se fait. On l'a déjà fait. Hein. Bon bah j'ai pris mes flèches foudroyantes. Hein. Moi je vais garder mes flèches standard vu que tu vas utiliser tes foudroyantes. Pas tes électriques. Ah ouais, j'ai pris. Je me demande s'ils font de la modification génétique. Mais vraiment de la vraie modification génétique. Parce que je m'attends presque à ce qu'à un moment on affronte notre sœur mais qui est modifiée génétiquement, genre. Je la sens la connerie. Voilà. Après je vais peut-être chercher un peu trop loin aussi. Oui. Parce que là on serait plus vraiment dans Avatar. Ah y'a rien qui prouve que ça a pas été fait. Hein. Est-ce que c'était... Non, c'est pas clair. Oh, ça pue tellement le zob. Oh, c'est clair. Il y a combien qui va surgir de nulle part, il va nous sauter dessus. Oh, c'est fort. Ouais. Un passage. Pour l'instant. Ok, donc il y avait un truc ici. Potentiellement le Thanator. Une cuve de croissance. Tu ne me croiras jamais. Dis toujours. C'est la cuve de croissance d'Alma. C'est là qu'ils ont créé son corps Na'vi. Oh putain. D'accord, c'est ici que son avatar a été créé. D'accord, bonne info. Ouais, on rentre devant toi. Bah tiens. Bonjour. Et il riche en garçon. Tu as trouvé autre chose? Je ne peux pas parler. On me surveille. Pourquoi je sens que la sœur est encore vivante? Mais qu'elle a genre été manipulée, genre... lavage de cerveau. Je sais pas pourquoi. Le problème c'est que j'entends pas ce qu'elle dit. Enfin j'entends pas la voix donc je me dis ça se trouve c'est vraiment la frangine qui va apparaître d'un coup. J'ai quelques trucs...
Bah, quand tu regardes les sous-titres, t'as quelques mots qui... Oui, oui, mais j'ai pas le ton de la voix, donc... Je trouve que c'est Mercer. C'est une voix d'homme ou de femme? Ouais, c'est une voix d'homme. Moi, c'est une voix d'homme. Oh putain! J'ai été sûr! J'ai été sûr! Vous avez préparé. Ah non, je vais clairement pas annuler le tir. Hein. Ah putain, quand on garde trop longtemps tirer, ça nous fait mal aux mains. Oui, et tu lâches l'arc à bout d'un moment. Je savais pas avant. Et tu vises beaucoup moins bien du coup. Je savais pas. Tu trembles un peu. Je l'ai jamais fait jusque là. Oh là là, comment tu sais? Ah mais... Je repierre un peu bordel là, t'entends bien? Eh viens là, c'est Nigo. On est d'accord pour dire que ça pue. Non. On va se faire. On a pas péter la moule. On joue à Avatar, hein, pas un jeu d'horreur. Ah oui, je sais bien, merci. Chaud grand. À un moment donné, on va passer dans le conduit, il va y avoir une grosse griffure qui va arriver d'un coup là. Ta gueule. Oh, ah bah tiens, bonjour. Ah t'es passé par le conduit. Ah oui, sauf que apparemment tu m'as pas suivi parce qu'il y a deux tas d'intentions dans mon cul quoi. Ça va, c'est un petit, c'est des petits. C'est pas, j'ai l'impression que c'est pas celui qui essaie de nous attaquer. Cette voix, elle vient de ce bureau. Je dois y entrer. Le bureau en face, il y a une baie vitrée. Ah oui, ah, il y en a un deuxième tir. Ah oui, ah bah il y en a un troisième surtout. Hop, voilà, ni vu ni tenu. J'allais faire, donc. Et j'en profite pour récupérer ma flèche si possible. Évidemment, une fois pour récupérer ma flèche. Et c'est en entrant dans le bureau que t'as le tanateur qui va se. Ouais, j'en ai certain. J'ai décoché ma flèche sur toi, j'ai... De long, je t'avais pas reconnu. Vas-y, je te laisse voir le piratage. Mmh. Et si elle est dure? Oh, ça va! Abuse! Encore un truc que j'utilise jamais. Une arme à feu. Ouais d'accord, 11 de dégâts par. Oh ici. Oh mais elle est pas. Non mais porte qui ferme dans la gueule. C'est ah. On dit un petit prix pas très rassurant. Bah moi je vois un truc pas rassurant du tout. Ouais. Ouais. Faut nager. Oh ça va. Oh ouais ça va. Je m'attendais presque à voir la gueule du Thanator en train de boire quand on remonte. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ah. Ah. Mais putain mais... Ah merde. Mais non, mais mon perso qui voulait pas monter. T'es où? Je suis là. J'étais en train de m'électrocuter dans la flotte, quoi. Ouais, normal, j'ai réactivé le courant. C'est pas vrai. L'alarme a dû être déclenchée. On est d'accord que
Oui, ça a tremblé. Ça a bien tremblé. Ah. Ah, c'est bon. Super. Je suis de... Non mais frère, tu forces là par contre. Ah, ok. Regarde ta map. Nol, je crois que je suis dans le bureau d'Alma. Il y a un enregistrement. Je vais voir si j'arrive à tout écouter. Peut-être qu'Alma détient quelques réponses. Allez, vas-y. Facile. Vas-y, traîtresse. Ah, de le pousser, oui. Drague l'ennemi, entendu. Hein? Oui, ah, oui. Des... ah, d'accord. Il y a bien des gens. D'accueil. C'est sympa. Par contre, je suis dégoûté, j'ai pas vu le. Me dis pas que c'est vraiment un détonateur que j'ai buté tout à l'heure, quoi. De quoi? Bah, le gros qui nous faisait flipper depuis le début, quoi. On va le voir à la fin, tu sais. Challenge avec le tas. Ah, pour moi, je pense pas que ce soit lui qu'on a, que j'ai buté. Pour moi, il y en a un autre. Bah, on va voir une terre. Il y a mort. Mais c'est quoi cet endroit? Ouais, c'est ce que je pensais. Aucune idée. Je t'avoue pas un peu les jetons. Ouais, pour moi. Ah, bah, frère. Non, mais t'as tiré avant. On peut tirer avant, donc. On a tous commencé comme ça, non? Ça commence. On pourrait. Ah non, juste là à gauche. Voilà, ah plus là. Ouf! Oh, je l'ai pré-shot, salut! Putain mais... Oh! Oh! Là, un autre but. Bien joué. Je me suis pas dévoré. J'ai pas eu là, pardon. Oh,
gueule. Ouf. Non, je crois que je vais ta gueule. Oh, je t'ai volé tes kills là. Non, ça va. T'as amené l'hélico ? Oh oui. Non, reviens ! Je voulais faire pas ta pouf l'hélico ! Putain. Alors, toi, t'es venu. Juste avant que tu tires ta flèche. Non, tu l'as, ta flèche a atterri après que j'ai tiré. D'accord. Maintenant faut qu'on se casse d'ici. De toute façon ils ont pas le choix d'avoir des blindés hein, pour respirer ici. Ah ils étaient pas blindés les autres hein. Oui mais le... ils étaient pas dans la zone de poison. Pas faux. Tandis que là ils disent ça. Non yo. Ouais alors. C'est possible d'avoir un truc qui nous fasse pas mourir instant, s'il vous plaît. C'est passé quoi ? La RDA. Ils ont dû être alertés quand le courant est revenu. Mais je m'en suis sorti. Ok. Cet endroit est horrible, Norl. Je suis désolé que tu y sois allé seul. Mais nous devions savoir. Alma a laissé des enregistrements. Elle parle aussi d'un point de rendez-vous. L'Assemblée Salento. Ah, qui arrive ? Je crois que c'est là qu'ils nous ont capturés. Je vais aller là-bas. Tu es déjà en bas, non ? Ah, on est juste pas descendu. Ah, on va d'abord voir ce que j'y trouve. On est si proche. Par contre, toi, je suis déçu, le Thanator, au final, c'est bien de ce que j'ai buté, quoi. Ouais. Le truc, qui nous a foutu un gros coup de pression pour que Pouik. On a un gros truc, moi, tu vois. Ah, moi aussi, je t'avoue. On va retrouver notre notre habitat naturel. Après techniquement on a fini la partie de la quête que je voulais qu'on finisse. Oui. Je veux juste qu'on sorte de cette zone de l'enfer là parce que. Ah putain. Ouais, bah à mon avis je pense qu'on est pas prêt d'arriver hors de la brume toxique dégueulasse. Tu veux qu'on arrête là ou. Ouais. Allez. On va s'arrêter là. Panda, vocal tout de suite. Du coup, fin de la partie avec Ouais. Et quoi ? Je suis un gros sagouin. Je suis pas chier. Bam, j'ai quitté. Allez. Maintenant, faut que...